Bienvenue à tous. Pour cette soupe aux légumes et aux champignons, nous aurons besoin de poivrons doux, rouges et jaunes, découpés en dés. Ensuite, nous aurons besoin d'un demi-chou blanc, découpé finement pour faciliter la cuisson. Également de trois pommes de terre, découpées en dés, afin que la cuisson soit rapide et moins longue. Du concombre, vous pouvez opter pour un concombre entier, mais j'ai juste choisi un quart. Ensuite, le haricot vert que nous allons découper en trois. Pour la carotte, nous allons préalablement couper en rondelles pour équilibrer la longueur avec des haricots verts. Pour l'oignon blanc, nous allons découper un demi-oignon blanc que nous allons mettre à la fin de la cuisson. Comme substitut à la viande, j'ai opté pour du champignon, des baby bella que nous allons découper pour éviter qu'ils soient trop lâches. Vous pouvez utiliser la viande si vous le souhaitez. J'ai pris 3 gousses d'ail. Aplatir avec un marteau de cuisine pour faciliter le hachage. Après avoir aplati, j'ai haché avec un couteau bien tranchant. Vous pouvez également utiliser un blender si vous le souhaitez. Dans une casserole, je vais verser 500 ml d'eau. 500 ml d'eau et commencer par des haricots verts qui sont généralement les plus difficiles à cuire. Après ébullition, je vais ajouter des carottes. Après 5 autres minutes, j'ai ajouté des pommes découpées. Ensuite, les choux blancs. Après ébullition, les concombres et les champignons, sans oublier les poivrons doux remués pour l'assaisonnement. Il faut du sel, du paprika, du poivre noir et un peu de poivre blanc. Et enfin, nous aurons besoin également de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour conserver la bonne odeur, j'ai mis ail et oignon à la fin, recouvri jusqu'à ce que les concombres et le morceau de pomme soient assez mous. Ajoutez de l'eau si vous souhaitez. Je laisserai toutes les informations en description. À la prochaine dans une autre vidéo. À plus.